Je suis Benny Lotomo, ingénieur et responsable de la boîte Bentexa, qui est une compagnie énergétique qui œuvre spécialement dans les énergies renouvelables. En fait, moi, je suis parmi les jeunes qui avaient postulé pour la première cohorte et j'ai été retenu. Et après ça, j'ai pu développer mon entreprise avec toutes les idées qu'on avait reçues avec les méthodes Lean Startup. Ça a permis à moi, mais aussi à ma boîte, d'avancer pas mal et faire des progrès qui sont vraiment progressifs. Et voilà pourquoi, comme il s'agit de l'événement annuel, donc la deuxième cohorte qui est organisée, on m'a invité pour venir témoigner sur l'accompagnement que j'ai reçu de l'Enabel et du CDR Monsala. En fait, au début, nous étions qu'à deux en termes d'employés dans la boîte. Et on n'avait pas un salaire fixe. Mais grâce à l'accompagnement de l'Enabel, on est maintenant au nombre de 12 comme employés salariés et deux stagiaires qui sont encore en stage de 3 mois. Et après, on pourra encore les engager. Donc, si vous essayez de calculer le nombre, l'année passée jusqu'à aujourd'hui, ça fait une année, on est au nombre de 12. Donc, chaque mois, on engage une personne, un jeune qui trouve de l'emploi chez nous. Outre cela, en termes de marketing, champ d'activité, aujourd'hui, dans toutes les communes de Kinshasa, on est dans la province de Bandundu, à Kengé, on est dans les grands équateurs, dans la ville de Zongo, mais aussi nous desservons, nous exportons nos produits vers Blabangui, qui est la capitale de la République centrafricaine. Je tiens à encourager tous les jeunes qui sont dans la tranche d'âge entre 18 à 35 ans à ne pas hésiter de postuler au programme Kin Emploi, et surtout les femmes, car c'est un programme qui va nous aider à développer nos idées et à devenir des chefs d'entreprise de demain. Donc, aujourd'hui, moi, je suis un exemple vivant. J'ai une entreprise qui est en place et qui émerge. J'aimerais aussi voir d'autres jeunes Kinois suivre notre trace. N'hésitez pas, s'il vous plaît, les Kinois, à postuler au programme Kin Emploi, car c'est un programme qui crée réellement des emplois pour des jeunes.